Bonjour, bienvenue à Jardin et Dépression. Ceci est le 425e numéro en direct du domaine provincial de Chevetogne. Et oui, dans notre belle Wallonie, 350 parcs, 350. Et on vient tout le temps ici, mais j'en ai plein le cul de ton parc de merde. C'est chaque fois pareil, c'est pour me faire chier, c'est ça, c'est ça. Moi j'en ai marre, je connais même le nom des écureuils ici, plein le cul. Dégage, Ernest. Comme toutes les semaines, j'accueille avec plaisir, à défaut d'avec joie, Marc. Bonjour, Marc. Ouais, bah... Bon ou mauvais, j'aurais juste préféré qu'il n'arrive pas ce jour. Sujet de cette semaine, Marc ? Eh bien, le sujet de cette semaine, c'est notre ami René, revenu d'entre les morts, qui va nous en parler. Puisqu'il s'agit des plantes du Jardin d'Éden. Alors, ces fleurs, René ? Bonjour, ça va ? Te fous pas de notre gueule. Les fleurs du Jardin d'Éden, il faut pas s'en occuper. Elles fanent pas, elles sentent pas mauvais, elles se rendent pas allergiques. Un ennui. Et si même le paradis est chiant, qu'est-ce qui nous reste? Je sais pas, l'enfer. Aïe. 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 Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Marc, un des grands moments de cette émission, c'est Kurt Morrison, notre horticulteur. Chouette. Youpi. Ah. Je pense que notre ami René a eu les résultats de son PET scan. Il doit être positif. Je te dis les mêmes qui ont dit Paul. Franchement, ça me fait chier. Bonjour. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux petites fleurs comme ça. La valiomine, grosse boule rouge. Et la prosaquine, petite boule rouge. C'est pour ça que quand les gens me disent qu'ils sont à l'hôpital pour tentative de suicide, je comprends pas comment ils ont pu se rater alors que la nature nous offre ce qu'elle a de meilleur pour arriver à mourir. Tranquillement. J'ai fini. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. Cette semaine, Luc, surprise du chef, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Mike Bérégovoy, mycologue de son état. Quelle bonne idée. Mike, quoi allez-vous nous parler ? Bonjour. Ce n'est pas encore la saison des champignons. Par contre, je vais vous montrer une mycose qui s'attaque aux arbres et qui peut être potentiellement mortelle. Oui, René. Ça marche aussi sur l'homme ? Évidemment. Non, non, je rigolais. Ça va juste donner de rip crampes d'estomac. Bon, on va peut-être arrêter sur l'humour parce qu'on va faire de l'audience. C'est pas vraiment le but. Donc, au revoir. Eh bien, Marc, encore un numéro d'achevé. Eh oui, encore un qu'on a réussi à finir. Devinez où on se retrouve la semaine prochaine. Je vous le donne en mille. Plein le cul. Bon, Ernest. Rien de personnel, hein. À savoir comment oublier ses... J'ai attendu, bordel, mais c'est parce que je suis hyperactif. J'ai un horrible souvenir. Toi, c'est Luc, hein. Silence. Oh, c'est Marc. Non, c'est moi, Marc. Non, c'est moi, Marc. Ah, c'est lui, Marc. Action. L'heure qui tuait parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur.